Très bien. Maintenant, nous pouvons passer au vote. Qui pense que le chat est mort dans la boîte? Excusez-moi, monsieur, vous avez frappé en plein milieu, évidemment qu'il est mort. Très bien. Et les autres? Vous, Elena, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Ouais, je dirais qu'il est mort. Eh bien, moi, je pense qu'il est toujours en vie. Ouais, les gars, y a un truc, il a pas buté un chat, quand même. Mais ferme ta gueule, toi, qu'est-ce que t'en sais? Il est chelou, ce prof. Y a un truc, nous dit cette jeune fille. Donc nous sommes au moins deux à penser qu'il est toujours en vie. Et il y en a d'autres parmi vous qui restent persuadés qu'il est mort poignardé. Donc si je ne peux pas ouvrir la boîte pour vérifier, nous pouvons actuellement estimer qu'il est les deux à la fois. Il est mort et il est vivant en même temps. C'est un peu chelou ça, mademoiselle, non? Monsieur, le chat, il est soit mort, soit vivant. Ouvrez la boîte pour voir, et puis voilà, c'est tranquille. Vous raisonnez en termes obtus de la vie quotidienne, jeune homme. L'échelle mésoscopique. En physique quantique, nous raisonnons en amplitude de probabilité. Si les deux états, ici, la vie et la mort du chat, sont possibles, alors ils existent. Ce sont deux états superposés. Il est vivant et il est mort en même temps. Ouais, il est chelou, je confirme. Mais vous avez raison de dire qu'il serait intéressant d'ouvrir la boîte. C'est-à-dire d'établir une mesure. Mais en physique quantique, cette mesure peut poser des problèmes dont nous parlerons par la suite. Je vous présente Gargouille. Votre prof d'anglais me l'a prêté pour les besoins de cette fabuleuse expérience d'intro. Ah, au fait, tiens. Merci. Tu m'as fait un cadeau? Qu'est-ce que t'as fait? T'es fou? Pourquoi t'as mis Gargouille dans une boîte? Mais quoi? Pour le porter? Le chat? Mais ok, mais t'as même pas fait trop dans le couvercle. Ça te plairait, toi, que je te mette dans une boîte? Bah ouais. J'aime bien le noir, l'obscurité. Le silence aussi. T'aimes le noir? Ça me dérange pas dans le noir non plus. Est-ce que tu peux arrêter avec tes insinuations sur le sexe tout le temps? C'est pénible, je te jure. Mais c'est toi qui es pénible. L'ami hyper chiant. Et non, j'arrêterai pas parce que tu l'aimes pas, ta femme. Et moi, tu me bouffes des yeux. Je le vois bien. Je n'entends plus jamais, d'accord? C'est vrai qu'en ce moment, avec Céline, je traverse une période difficile. En attendant, c'est avec elle que je pars en rando ce week-end. Pas avec toi. Et ça, ça me fait bien plaisir. Look at this. Look at what you miss. You're the fucking dumbest guy in the world. Pas d'anglais. Ça veut dire quoi, ton truc, la dumbest?
C'est je suis con, c'est ça? Non, non, dumb best. Ça finit par IST. Ça veut dire que t'es le plus con. Et tu veux que je te dise pourquoi je reste avec elle? C'est parce qu'elle, au moins, elle me traite pas de con. Tu crois qu'il te trompe aussi, ton mec, de son côté? Bien sûr que non. Il est trop con. Comment tu parles de ton mari? Un peu de respect, jeune fille. C'est ça. Tu le respectes, toi, peut-être? Ah oui, tu vois, Christophe, je le respecte. Vu que je prends soin de sa femme. D'ailleurs, ce week-end, j'aimerais bien le respecter un bon coup. Ça t'irait? Arrête, t'es con! Non, ce week-end, je suis pas là. Tu iras respecter quelqu'un d'autre. Et tu vas pouvoir te passer de moi tout un week-end sans me voir? Oui. Tu mens. Tu viens de faire un long oui. Oui, je te connais. Quand tu fais un long oui, ça veut dire non. N'importe quoi. Oh non, c'est ma mère. Fred, tu te tais. Oui, maman. Là, je suis avec Fred, une amie. On fait du shopping. Ah, ok. Tu es avec Christophe ce week-end, Laurent? Non, je peux pas. Christophe m'emmène faire une rando. Rando? Tu détestes ça depuis toute petite. Ça sent le rabibochage, ma chérie. Tu vas bien avec Christophe? Oui. C'est quoi ce week-end? Qu'est-ce que tu fais? Allô? Préparer ton sac pour demain. Hé, doucement. On dit bonjour d'abord. Et ensuite on dit que... T'inquiète. Mon sac sera fait en 2 secondes, j'ai déjà rassemblé mes affaires. Ouais, fais voir, je vérifie. On voyage léger, d'accord? Je te rappelle qu'il y a encore la tente et les repas à porter. Ton chargeur de portable? Tu me fais une blague? Quoi? Non, rien, tout à fait normal. Un chargeur en montagne. Y a pas de prise, y a pas de réseau. De la crème solaire, tu crois vraiment que c'est utile? Parce que je te rappelle qu'en bout de course, c'est une grotte qu'on va visiter. N'importe quoi! Évidemment, je prends la crème. On marche avant la grotte, non? Une bombe lacrymo. T'as peur que je t'agresse? Parce que là-haut, tu sais, il y aura que nous deux. Je sais pas, la nuit, des gens, un loup-garou. Ouais. Je laisse tomber, vas-y, prends ce que tu veux. Puis pour les loups-garous, c'est à la pleine lune qui sortent. Donc demain, tu risques rien. Parce que demain, elle sera pas du tout dans le ciel. C'est la nouvelle lune. Thank you.
mais c'est mon appareil, ça. Tu fais attention. Attends, Christophe, tu vas où, là? Je vais à la grotte. Non, mais le chemin, il est là. La grotte, elle est pas sur le chemin du tout. Je connais bien, c'est par là. Mais t'as dit où on était à quelqu'un? T'as une boussole, au moins? Ouais, une boussole, ouais. Pas con. T'as pas l'appli sur ton portable? Par contre, une fois à la grotte, l'aiguille irait dans tous les sens, parce que les parois sont riches en oxyde de fer. Sont riches en quoi? Oh, oh. Céline! Arrête de faire ta citadine! Je connais par cœur, je te dis. Ma citadine! Il y avait une mygale. Christophe, tu m'attends! Oui, on y est presque. Mais c'est pas le moment de s'arrêter. T'as bien mis toutes tes affaires dans le sac étanche que tu es passé? Oui, oui. Mais ça va pleuvoir. Putain de merde! Putain de merde! Alors, elle est bonne! C'est la coca-cola! C'est le seul moyen par ici. Mais t'en fais pas. Pour retour, on passera par un autre chemin. Plus lent. C'est bien, Céline. T'as presque pas trop râlé, en plus. Oh, merde! Oh, putain, connard! Mon iPhone! Ah, pas ma faute. Je t'avais bien demandé si t'avais tout mis dans le sac étanche. Il est foutu, mon iPhone! Merde! Allez, tu m'en veux pas? Si je n'avais pas poussé, tu aurais jamais sauté, ma chérie. Ma chérie? Ma chérie? Connard! C'est bon, on se calme. Ça va.
Céline. Tout va bien? Voilà, c'est ma grotte. Elle est juste fascinante. Tu verras, demain je te la ferai visiter. Un havre de simplicité. Il fait pas encore nuit. Alors tu devrais éteindre ta lampe, je pense. Non, mais je suis pas rassurée. Il y a des bruits partout dans ta montagne. Ce sont les sons de la nature. Toi, ce qui te choque, c'est que tu es habitué au bruit des voitures. Alors ici, t'es un peu perdu. Tu devrais te laisser séduire. Tu éteins ta lampe. Tu fermes les yeux et tu coupes tout. Et juste tu écoutes l'absence des hommes. Tu sais, camper c'est presque méditatif. T'as fermé les yeux? Oui, oui. Essaie d'oublier la vision des trucs et le toucher. Il ne te reste que l'ouïe et l'odorat. J'essaie, je te jure. C'est bien. Tu es quand même content d'être ici? Oui. Parfait. Du silence maintenant. Pour laisser entrer le son. Qu'est-ce qu'il y a? Des pas. Il y avait des bruits de pas. Y a rien. Allez, t'as juste pas l'habitude. J'ai pas entendu de bruit de pas, moi. Change pas. Et les lampes alors? On la laisse allumer toute la nuit? C'est ça. T'as pas intérêt d'y toucher. Moi je sais ce qui pourrait suffisamment te rassurer pour l'éteindre. Je croyais qu'il fallait voyager léger. Putain, putain! Oula, c'est quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Y a quelqu'un qui pleure, non? Y a quelqu'un juste là?
Il y a personne, Céline. C'est impossible. Arrête tes conneries! Il y a que des bruits de merde ici. Je flippe, j'en peux plus. Bon, ok, je vais voir. Non, qu'est-ce que tu fous? Ben, s'il y a vraiment quelqu'un qui pleure dehors, il doit pas être très dangereux. Alors je sors, je raconte une blague ou deux, pour consoler, et puis je reviens. Mais t'es pas drôle, t'es con. Allez, t'en fais pas, j'en ai pour 10 secondes, max. Christophe! C'est rien. Rien du tout. J'y voyais rien avec mon portable, il sert à rien. Et je me suis pris plein de trucs. Qu'est-ce que tu fais à moitié nu? Il faut qu'on s'en aille. Il y a du sang, il y a plein de sang, regarde. Mais... C'est rien, ma chérie, rien du tout. Comme je t'ai déjà expliqué, t'as pas l'habitude. On est un peu en altitude et tu délires légèrement. Je délire pas. Je délire pas, il y avait du sang, il y a des bruits, putain. Tu sais, en altitude, il y a moins de dioxygène. J'ai lu des récits totalement dingues sur des explorateurs en Everest, par exemple. Et puis, il paraît que la plupart des histoires d'ovnis, c'est en montagne. Parce que le cerveau, il est plus assez irrigué. Les piles, elles tiendront jamais toute la nuit. Peut-être. T'es pas assez débile pour pas avoir pris des piles de rechange. Effectivement, j'en ai plein. Très bien. Alors bonne nuit.
Christophe! Quoi? J'ai entendu quelqu'un crier, je te jure! T'as rien entendu, toi? Mais non. Oh, me sors pas le truc de l'oxygène! J'en ai rien à foutre de tes histoires à la con! J'en ai marre, c'est pas ça! T'as sans doute rêvé, alors? J'étais juste assoupie! Va voir, d'accord? Quoi? Tu veux que je sorte encore? Sérieusement? Mais tu restes juste à un mètre de la tombe, juste là. Oh, t'es super pénible, c'est dingue. Bon, bah, je prends ça, alors. Non! Mais si! Je reste juste là, comme on a dit. T'en fais pas. Juste là! Juste là, hein! Tu vois quelque chose? Ben non, évidemment. Céline, tu veux que j'avance un peu? Non, non, tu reviens. Juste un pas. Non! Christophe? Tu reviens? Tu vas bien? Juste là, je l'ai vu. Je sais pas ce que c'est, putain. C'est bon, c'est bon. Je reste là. J'ai compris. Rallume! Rallume, bordel! Rallume ça tout de suite! C'est rien, c'est les piles. Ça fait des heures que tu les as laissées allumer. Trouve ces putains de piles! Je te jure, je vais crever là! T'en fais pas, c'est rien. Je sais exactement où je les ai mises. Bouge pas, ça prend 2 secondes. Y'a quelqu'un! Je suis sûre qu'il y a quelqu'un juste ici. C'est hyper flippant, putain, mais c'est qui? Chut! J'y suis presque, ma chérie. Là, voilà les piles. Pas de problème. T'as pas entendu un bruit, là, encore? Calme-toi, calme-toi. Écoute. T'entends? T'entends, c'est quelqu'un qui chiale. T'es où, putain, t'es où? Tiens-moi. Merde. Oui, j'entends. Je suis pas tarée. Un animal, sûrement. Je sais pas. Ça pleure pas, un animal. Ta gueule. Allez, elle vient, cette putain de lampe. Je comprends pas. J'ai mis les piles, elles fonctionnent pas. Non, mais je te jure, tu te débrouilles, tu l'allumes. Putain, Christophe, il s'approche, je crois. Attends, attends, c'est pas normal. C'est pas facile, j'y vois rien. Comment... J'ai la trouée. Avec mon appareil photo, il y a un flash. Prends-le. J'y verrai pas longtemps, mais... Cette lampe, c'est quoi le truc? Je l'ai. C'est super court. J'en suis sûre. Il s'approche, le bruit. Qu'est-ce qu'on fait? On lui parle. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le flash plein de fois. Ça marche pas. Tant que ça recharge, c'est pas si long. Fais-le dès que possible. Y'a plus de bruit. Fais le flash, Céline. Allez, refais le flash. Ah! Mais merde, qu'est-ce qu'il te prend? T'es folle! Mais c'est pas moi qui criais d'abord. Tu vas me dire que c'est encore un animal, ça? Le flash, merde, le flash. Il faut réparer cette putain de lampe. Ça sert à rien de paniquer. Dis-toi qu'on entend bien. Tant qu'il n'y a pas de bruit de pas, on risque rien. Putain, Christophe! C'était dans la tente, ce cri, j'en suis sûre. Je sais pas. Elle avait quoi, cette connasse de lampe? Dans le noir.
J'ai mis les pieds à l'envers, je crois. À l'envers? Non mais tu te fous de ma gueule! Non mais merde! T'es un putain de prof de physique! Tu fais ce que tu veux. J'en ai rien à foutre. Moi, je me casse. Je vais pas rester ici alors qu'il y a un débile dehors qui s'amuse à nous faire peur. Qui va nous buter. Attends deux secondes, on réfléchit. Je me casse! Merde, Céline! Céline, j'y vois plus rien! Bon. Ah oui. La galère. Céline? Céline, c'est pas sérieux. Tu connais pas le chemin. Et c'est la nuit noire. Merde. Oh non! Céline? 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Non? Christophe! Christophe! Ici! Christophe! Putain! Christophe, ça va? Je t'ai vu! Je te l'ai têté! On s'en fout, allez viens, on se casse maintenant! Ok, je connais le chemin. Pas évident la nuit, mais ça va aller. J'ouvre la route, tu restes collé. Que j'ai vu, c'était réel. Comme si quelqu'un avait le pouvoir de... Je sais pas. Quoi? C'est toi. Impossible, mais... Christophe... On s'en va. J'y suis, moi aussi. Il nous faut tous les deux. Je sais pas. Mais ça, c'est ce qu'il veut. Christophe! Christophe, ça va? Merde! Ma jambe, elle est pétée, je crois! Attends, j'arrive! Attends, non! Toi, tu restes en haut! Ça va pas, je reste pas toute seule, va te faire foutre! Arrête ça! Si tu te pètes la jambe, toi aussi, on sera bien avancé! Il faut que tu retournes dans la tente. Il y a mon sac avec la corde dedans. Ramène-la. Envoie la lampe. Non. Si je te l'envoie et que tu la rattrapes pas au bon moment, on est foutu. Sers-toi du flash comme tout à l'heure. Non, mais ça marche pas, ça. Mais si, ça va marcher. À chaque flash, tu imprimes les alentours. Et tu y vas pas à pas. Mais
Christophe. C'est seulement des hallucinations, c'est ça? J'ai peur. Mais si c'est que dans notre esprit, on risque rien, pas vrai? Le sang. Tout à l'heure, quand tu l'as touché, il était chaud. Alors c'est de l'énergie. Si c'est capable de produire de l'énergie, je sais pas comment. Alors il n'y a pas de raison que ce soit pas capable de t'attaquer. Et qui que ce soit, ça a l'air motivé. Alors si on t'attaque, tu te défends. C'est où? Oh. Christophe, tu m'entends? Céline! Tu dois hurler! Je sais pas dans quelle direction aller! Par là! Céline! Ici! Ici! Céline! Plus fort! Ici! Par ici! C'est bien, ma chérie. Très important. Tu trouves un rocher ou un tronc d'arbre pour fixer la corde. Très stable. Ça va, je suis pas débile. C'est bon?
fais attention. Attention à quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, Céline, tu t'en vas. Quoi? Je peux pas monter, faut que je me fasse une attelle ou j'en sais rien. Ça va prendre une heure. Non! Non! Tu m'écoutes? Je suis venu ici des dizaines de fois sans avoir de problème. C'est toi qui veux en premier. Moi, je risque rien à rester là. Mais je vais où? Je connais pas, je vois rien. Dans mon sac, mon téléphone. On n'y voit pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Tu files n'importe où. L'important, c'est que tu descendes. Tu cours sans t'arrêter. Et en bas, il y aura du réseau pour appeler les secours. Allez, tu t'en vas! Tu veux quoi? Céline! Céline, qu'est-ce que tu fais là? Non, attends, tu restes là-haut, toi. Fais pas ça. Je reste pas une seconde de plus ici toute seule. Rien à foutre. Fais attention. Attention. Il veut nous tuer tous les deux. Je crois que j'ai compris qui c'est. Il fait le truc comme toi. Tu comprends pas? Il fait le truc comme moi? Je sais pas. C'est moi? C'est moi petit, c'est ça? Ça rime à rien. C'est ton fils. Je sais pas, un fantôme. C'est toi le scientifique. Trouve une explication, une énergie, machin. On n'a pas d'enfant, Céline. Mais on a failli. J'ai avorté il y a 9 ans. Christophe, je te l'ai pas dit parce que t'aurais voulu le garder. Tu l'as tué. Tu l'as tué et veux se venger. Je pense pas qu'on puisse y échapper. C'est un esprit très résolu. Il va falloir combattre.
Alors voilà. C'est toi qui vas en premier. Donc tu avances comme un cobaye. Et moi je frappe. Comme ça on l'aura tué chacun une fois. Ça va? Mon amour? C'est nouveau, ça. C'est quoi tout ça? Je comprends rien. Le cadavre. Quoi, le cadavre? Qu'est-ce que t'as vu? Les cadavres, c'est nous? Non. Mais si. Je t'ai vu, moi. Tu étais poignardé. C'est ça qu'il veut. Et l'autre, c'était moi. L'autre, c'était moi. Oui, oui. C'était toi. Et j'ai bien réfléchi. Je crois qu'on est déjà mort. Mais pas dans cet univers. Je crois qu'il existe un autre univers dans lequel tu n'as pas avorté. Tu dis n'importe quoi. Mais je suis épuisée, alors. Ça me va. C'est une théorie fascinante dont Einstein est à l'origine. Pour chaque choix que l'on fait dans la vie, un autre univers est créé. Du coup, il existe des milliards d'univers parallèles pour chaque choix concevable. Mais normalement, aucun lien n'est possible entre eux. À moins qu'ici, la grotte face, Vortex, établisse un lien. Et j'ignore pourquoi, mais dans cet univers avec lequel nous sommes en lien, l'enfant que nous avons décidé de garder dans cet univers a eu suffisamment de haine envers nous pour nous assassiner. Il nous a poignardés dans son monde à lui. Et apparemment, ça lui a pas suffi.
Là-bas. Tu y retournes. Ma chérie. Il ne reviendra plus. Il a tué sa mère chez lui. Tout ce qu'il voulait, c'était un geste. De sa maman. Ailleurs. Se faire pardonner. C'était ça, sa réelle motivation. Motivation extrême. Magnifique. Ce que je trouve étrange, c'est que... Enfin... Entre autres... C'est qu'il les a tués. Enfin... Il nous a tués en sous-vêtements. Sans doute au lit. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui l'a rendu fou? Peut-être qu'il nous a surpris pendant... Pendant l'acte, non? Ça peut traumatiser un enfant de 9 ans de voir ses parents faire ça. Nous avons surpris. Ou alors il était juste fou. Mais ça, ça vient du côté maternel.
J'ai quelque chose de très important à te dire. Je te propose que finalement, on n'aille pas visiter la grotte. Jamais. Tant pis. Moi aussi, j'ai quelque chose d'important à te dire. Enfin, c'est peut-être qu'aujourd'hui, mais je t'aime. Moi, pareil. Mais t'es d'accord si on n'a jamais d'enfant ?